Comme à son habitude, Anne-Elisabeth Lemoine était aux commandes d'un nouveau numéro inédit de C'est à vous, diffusé en direct sur France 5 mardi 28 mars 2023. L'animatrice a accueilli une nouvelle fois ses invités en compagnie de ses fidèles chroniqueurs, Émilie Tran Nguyen, Pierre Lescure, Patrick Cohen, Mathieu Béliard, Mohamed Bouafsi et Bertrand Chamérois. Dans la deuxième partie de l'émission, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu sur son plateau pas moins de 3 acteurs, qui sont à l'affiche d'un nouveau film prévu pour sortir au cinéma le mercredi 5 avril 2023. L'animatrice a donc accueilli dans cet avou Leïla Bekti, Louise Bourgoin et Karim Leclou, qui se donnent la réplique au sein du long métrage baptisé Si estime mon homme. Dans ce film, Karim Leclou incarne le personnage de Julien Delaunay, qui a disparu sur un champ de bataille de la Grande Guerre. Sa femme, Julie, interprétée par Leïla Bekti, ne croit pas qu'il soit mort. Et quand la presse publie le portrait d'un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s'aimer. Mais une autre femme, jouée par Louise Bourgoin, réclame cet homme comme étant son mari. Au cours de son passage dans C'est à vous, Karim Leclou a eu droit à un magnifique cadeau de la part des équipes de l'émission. David Ginola à Karim Leclou, tu es un grand fan de moi. Ça tombe bien parce que moi aussi je suis fan de toi, grand amateur de football, le comédien est un fan inconditionnel du Paris Saint-Germain. Au cours de son interview avec les chroniqueurs de C'est à vous, Karim Leclou a reçu un message vidéo de l'une de ses idoles, l'ancien footballeur David Ginola. Salut Karim. J'ai appris que tu étais un grand fan de football, du PSG des années 90, et de moi. Ça tombe bien parce que moi aussi je suis fan de toi, a lancé celui qui est désormais consultant sportif pour les antennes de Canal+. J'ai envie de te proposer un choix. Si tu veux, tu as la possibilité d'aller dîner avec Leïla Bekti et Louis Bourgoin avec qui tu joues. Ou alors, de venir voir un match avec moi, et d'aller ensuite dîner entre mecs et de refaire le monde, a ajouté David Ginola. Bien évidemment, Karim Leclou n'a pas hésité une seule seconde et a répondu par l'affirmative avant même la fin du message vidéo.